Now we have the pleasure to talk about French Touch. So Cyril from the Buzzman Agency will moderate this panel with two famous French artists, designer, musician. So we have the pleasure to welcome Mathalie Crasset. Thank you very much for coming. And Étienne de Crécy, so both French but international reputation. So Cyril, I leave you the microphone to. Hi everyone. We are going to do this in French because there is a lot of people who are French here, and it's going to be easier for us to do it in French. So bonjour tout le monde. Je suis Cyril Paguino chez Buzzman. Je suis ravi aujourd'hui, après avoir eu aujourd'hui des gens de fonds d'investissement, des entrepreneurs, des patrons de boîtes cotées, des patrons de grands groupes de communication, d'avoir des créatifs avec nous. Donc c'est très sympa de leur part de venir. Donc Mathalie Crasset, un petit... Bonsoir. Un petit peu de bruit pour elle, s'il vous plaît. Merci. Et monsieur Étienne de Crécy, qui nous a aussi l'honneur de venir. Bonsoir. Donc ma première question, elle est assez simple. On a une vraie French Touch et dans le design et dans la musique électronique aujourd'hui. En France, on n'est pas forcément les meilleurs, mais quasiment dans le monde. On est vraiment reconnus pour ça. Alors on va commencer par Mathalie, parce qu'on est aux dames. Pourquoi et comment ça s'explique aujourd'hui que la France rayonne dans ce domaine qu'est le design? Alors en France, on a quand même énormément de bonnes formations maintenant, qui a créé toute une génération dont je fais partie, et qui fait que ben, aujourd'hui, on a la possibilité, un vrai savoir-faire, pour proposer, c'est pas simplement répondre à des questions, c'est ça qui est intéressant, on n'est pas simplement des designers qui vont répondre à des questions, mais aller bien au-delà de ça, même, je dois dire, quelque part, faire un cadrage et proposer des projets à l'intérieur. Donc c'est tout un état d'esprit un peu différent. Je pense qu'en France, ce qui nous caractérise peut-être le plus, c'est notre système de pensée. Moi, je fais des workshops et des conférences un peu partout dans le monde. J'en étais pas vraiment consciente au départ, mais c'est ce qu'on me renvoie chaque fois que je vais dans je présente mon travail. J'en profite aussi pour obtenir des feedbacks. Et là, c'est vraiment cette chose qui revient en permanence, cette histoire de système de pensée qui est très spécifique, qui est très détaillée. On va peut-être en parler un peu plus après, mais... Et selon vous, qui est propre à votre formation française? Et qui est dans notre culture, je dois dire, et qui peut être vraiment utilisé dans notre métier, puisque je considère qu'être designer, ça va être 80% de pensée. C'est pas simplement matérialiser. La matérialisation, c'est la fin du processus, mais c'est avant tout penser, analyser, conceptualiser et matérialiser à la fin. Et d'ailleurs, souvent, maintenant, ne plus matérialiser du tout, on n'est pas obligé de transformer ces concepts en matière. On peut les transformer en autre chose. Okay. Et vous, Étienne? Pareil. Tout pareil. On parlait de la formation, moi, justement. Du coup, j'ai oublié la question. En fait. Non, en gros, c'était globalement, qu'est-ce qui fait que les Français sont bons dans votre domaine? Pourquoi aujourd'hui ça rayonne dans le monde? Est-ce qu'il y a un ingrédient magique? Est-ce que c'est la créativité? Est-ce que c'est l'accès aux technologies à l'époque? C'est difficile à dire, mais je suis assez d'accord sur le mode de pensée. C'est-à-dire qu'il y a, c'est vrai qu'il y a, de mon expérience, effectivement, dans les voyages à l'étranger, j'ai vu que les Français, ils ont cette envie d'intellectualiser l'art aussi. Et donc, tous les artistes que je connais, ils sont toujours en train de réfléchir à ce qu'ils font. Et, alors que c'est vrai que dans les pays étrangers, je vois plus des artistes qui sont... peut-être plus spontané dans leur art, mais c'est moins intellectuel. Il y a ce truc, moi, la French Touch, je vois ça comme ça, c'est des intellos, en fait. D'accord. Moi, je dirais pas ça, je dirais qu'il y a des vraies démarches originales. Être créatif, c'est pas quelque chose qui nous tombe comme ça, voilà, et puis quelque chose qu'on a hérité, qui est inné. C'est quelque part avoir une volonté qui est forte, puisqu'en fait, chaque jour, c'est voilà, se remettre en question, c'est creuser, c'est essayer de questionner les choses avec un autre angle. Donc c'est un processus qui est long à établir et créer une approche personnelle, pour moi, c'est vraiment ce qui fait qu'à un moment donné, ça va faire la différence. Une approche qui va être à la fois personnelle et originale. Et en fait, je pense que les gens reconnaissent ça assez facilement. Donc si je reprends,
l'école, déjà la formation, et ensuite la culture, la façon de penser qui est française, donc aller dans la, pas la perfection, mais la recherche de l'idéal. Non. C'est pas vraiment l'idéal, c'est plutôt une vision du monde, c'est une attitude par rapport à la vie. Alors c'est très compliqué à expliquer, mais je dirais qu'on a une espèce d'appréhension des choses qui sont en subtilité. On va définir les choses finement. Alors par exemple, dans mon secteur, on dit que peu de gens s'intéressent au design, mais par contre, on sait très bien que la relation à l'objet, elle est assez complexe. Vous voyez, donc on peut se porter là-dessus pour justement innover. Et c'est pas un hasard si d'ailleurs beaucoup de marques étrangères viennent faire des tests consommateurs en France. Ça veut bien dire, qu'il y a un potentiel, qu'il y a des. Alors on le sait tous, il y a cet aspect critique qui était important, mais il y a aussi cette subtilité, cette espèce de tridimensionnalité, de lecture de l'objet, qui tient à notre culture, qui tient à notre intérêt par rapport à la vie, à l'expérience de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est enraciné et qui se trouve dans tous les projets. Et c'est ça qui est important. Mais je crois que tu as dit un truc important, c'est l'esprit critique. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, quand je fais de la musique, si je l'envoie aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, je suis assez confiant. Par contre, quand je fais écouter à des Français, j'ai toujours peur parce qu'ils sont beaucoup plus méchants que les autres. D'accord. Et donc, c'est vrai que... Plus exigeant. Beaucoup plus méchant. Mais est-ce que c'est fondé? Non, c'est exigeant, c'est une sorte d'exigence, mais c'est vrai que le public français a cette exigence qui fait que ça peut, ils peuvent être cassants très très facilement et très vite. Très bien. Là, on s'est parlé de votre vision, de vos métiers, de la French Touch, la vision des gens que vous rencontrez lors de vos voyages, des étrangers sur ce même sujet. Comment ils nous perçoivent, vous, Nathalie, vous, Étienne? Alors nous, moi, ils me parlent beaucoup des philosophes. Je crois qu'on est quand même un pays où la philosophie, la pensée, c'est toujours la même chose. Et puis, il y a une autre notion qui est importante, c'est nos structures sociales et culturelles. Je pense que sans arrêt, on me rappelle ça. Alors c'est un peu normal, parce que dans mes projets, je vais immanquablement parler... j'ai travaillé pour le CRUS, par exemple. Je vais expliquer ce qu'est le CRUS. Et même en Italie, je veux dire, ça n'existe pas, il n'y a pas de parallèle, il n'y a pas d'équivalent. Donc d'un seul coup, j'ai fait un autre projet qui va parler plus particulièrement de lieux pour l'enfance. Et là, j'ai fait une maison verte à Françoise Dolto, mais une structure contemporaine. Donc ça va être aussi le programme des nouveaux commanditaires pour la Fondation de France, qui sont des projets, tous ces projets, des systèmes qui sont très... audacieux, il faut le dire. Donc il y a tout un tas de projets comme ça, de systèmes qui sont existants et qui font, alors c'est la même chose dans la musique, hein, je donne des exemples de mon point de vue, qui font qu'il y a une assise culturelle, mais aussi des projets qui sont très audacieux au niveau culturel et social. Très bien, merci beaucoup. Moi, on ne parle pas tellement, moi, des philosophes, on parle plus de Céron et de Village People, en fait. Qui ont marqué les esprits. Qui ont marqué les esprits, ouais, dans la musique de dance. D'accord, donc c'est des références et des influences que les gens ont retenues. Ils vous parlent de ça généralement. Voilà, ouais. Non, de moins en moins. De moins en moins. On parle de plus en plus de David Guetta. D'accord. Et de Daft Punk un peu peut-être. Aussi beaucoup, bien sûr. Et donc c'est pas rapporté à un trait de caractère. C'est à vous les Français. Hein? C'est pas rapporté à un trait de caractère. Par exemple, on vous dit à vous les Français, on généralise et on ressort un trait de caractère de ce sujet. Non, je crois pas voir un truc comme ça qu'on m'ait dit. Ok. Comment, depuis une dizaine d'années maintenant, le digital a changé, ou pas d'ailleurs, vos vies et votre façon de faire votre métier? Alors le digital, pour nous designers, c'est une grande opportunité, parce que moi j'étais un peu dans l'idée de dire j'aime bien changer les logiques. On sait dans plein de domaines qu'on n'a pas forcément les bonnes logiques. Et après, pour arriver à construire quelque chose à côté et trouver une colonne vertébrale, ça fait peur. Le digital arrivant, on a cette opportunité. Déjà, l'opportunité de reprendre la main sur la technologie, parce qu'on nous raconte sans arrêt que la technologie a changé nos vies. À l'époque, quand j'ai commencé d'être designer, je faisais d'ailleurs des télés, des radios pour Thomson. Et on parlait à l'époque, le discours c'était digérer la technologie. Aujourd'hui, on n'est plus dans la digestion, elle est partout la technologie, donc on n'est plus du tout dans cette posture. On va plutôt se dire que c'est pour nous une opportunité. Et pour ceux justement qui veulent changer les logiques, on sait qu'il y a un certain nombre de
On est dans une société qui parfois est un peu conformiste, qui a un peu tendance à répéter les choses. Or là, on a l'opportunité de changer de paradigme dans un grand nombre de choses. Je peux citer des exemples. En France, acquérir du savoir, c'est bien souvent synonyme de quelque chose de pas sexy du tout. Hein, c'est ennuyant, etc. On peut considérer qu'avec le numérique, on pourra avoir un autre rapport au savoir, autour de ses intérêts. Et je vais citer justement un projet d'Emmanuel Vaillant qui, lui, travaille sur justement redonner de l'appétence aux apprentissages via les médias en créant une fabrique de l'information. Donc on voit qu'on peut changer de logique, créer à côté d'autres histoires et reconstruire, on va dire, de toutes pièces et avec d'autres valeurs, on va dire, d'autres valeurs, d'autres relations entre nous aussi, puisque ça va jusque-là. Mais ça existe déjà, l'accès au savoir. En fait, tous les enfants maintenant, quand ils veulent apprendre à faire quelque chose, ils vont sur YouTube et ils apprennent. Oui, tout. Mais il y a des paliers d'expertise, c'est-à-dire que bien sûr il y a une certaine, ils vont déjà chercher c'est les médias, pour eux, ouais. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait de tous ces éléments et comment on arrive à en faire en sorte que ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est aussi adressé pour des jeunes qui sont déscolarisés. Hein, donc on est dans un cas un peu particulier, ou pas d'ailleurs, hein, mais c'est aussi se permettre d'approfondir petit à petit, d'avoir une reconnaissance de cette expertise, ça se fait petit à petit, et puis après de pouvoir en profiter au niveau professionnel. Donc on est bien dans des paliers successifs qui va les aider en fait à non seulement acquérir les choses, mais aussi à en bénéficier et à digérer tout ce savoir. Et toi, Étienne, qu'est-ce que ça a changé un petit peu dans ta vie? Dans la musique, ça, l'arrivée du digital, ça a quand même tout, absolument tout chamboulé. Ça a coupé l'arrivée d'argent pour tout le monde dans la musique. Napster. Ça a été net. Mais en même temps, finalement, c'est en même temps un tel médium de culture, c'est-à-dire que les gens n'ont jamais écouté autant de musique qu'aujourd'hui, que depuis qu'elle est gratuite. Donc il y a en même temps un côté... Ou presque, on peut l'acheter, enfin on l'achète toujours. Maintenant, si vraiment tu veux, tu peux en acheter. Si tu veux en acheter de la musique, tu peux, il y a quelque part où tu y arriveras. C'est pas toujours facile, mais on peut. C'est un truc, moi en tant que musicien, mon but premier c'est que les gens écoutent ma musique. Après, si je gagne de l'argent, c'est mieux. Mais ma première volonté, moi, c'est que les gens écoutent la musique. Et c'est vrai que Internet est magique pour ça. C'est-à-dire qu'il y a ce truc où tu as un accès direct. Les gens ont accès directement à la musique. Et moi, j'ai un accès direct aux gens qui écoutent ma musique. C'est un truc qui est magique, qui est super. Après, est-ce que ça a changé concrètement? C'est qu'on ne peut jamais prévoir les choses... À plus de 6 mois, tous les médiums changent en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir un blog va devenir tout d'un coup hyper important. Oui, les outils changent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sortir un disque, autant pendant toute l'industrie du disque, ça a toujours été pareil. On envoyait le single à la radio. S'il passait à la radio, on imprimait des t-shirts et des stickers, on sortait le disque. Et ça a toujours été comme ça pendant des années et des années. Là, tout d'un coup, il faut se creuser la tête et il faut trouver d'autres moyens de faire. Ouais. Et aujourd'hui, la façon dont tu sors ta musique est presque aussi importante que la musique elle-même. Complètement. Ça laisse d'autant plus place à la créativité, même dans les lancements. C'est hyper intéressant. Non, mais c'est passionnant. Ce qui est en train de se passer est passionnant parce que on peut tout essayer. En plus, on peut tout essayer. Il n'y a pas pas tellement de risques parce que si c'est une économie, ça coûte moins cher finalement parce qu'il n'y a pas tous ces trucs de fabrication et tout. Donc, on peut essayer plein de choses. C'est passionnant. On parlait de l'économie justement de la musique qui était perturbée, troublée. Est-ce que l'économie du design va avec les impressions 3D, tout l'open source, la data, va commencer aussi à être touchée par ce phénomène de copie? Elle est déjà touchée, j'imagine, mais de plus en plus. Vous craignez ça? C'est un sujet? Oui, mais on n'est pas concerné juste par le dessin d'objets. Moi, je ne me considère pas comme un dessin. Je fais de l'espace, je fais. Donc en fait, ça ne touche qu'une partie. Et puis, c'est la même chose. C'est une technique, une technologie qui va petit à petit être digérée. Et qui va nous apporter aussi à nous des moyens d'aller plus vite pour faire d'autres choses. Donc c'est aussi ça qui est important. Moi je suis hyper content de voir qu'on va pouvoir pirater
des couverts, des chaises et tout. J'étais très content. Quand j'ai vu ça, j'étais ah bah voilà. Enfin, il n'y a pas que nous. Ouais, enfin, il n'y a pas que nous. Ouais. J'imagine bien. Votre consommation du digital aujourd'hui, j'entends vraiment l'ordinateur, l'internet, la tablette, le mobile. Elle est par semaine combien d'heures? Vous y faites quoi? C'est la question perso. Je comprends pas. Non, moi, je fais de la musique sur un ordinateur. Donc, de toute façon, je suis. Mais comment tu consommes Internet aujourd'hui? Aujourd'hui, comment qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que tu es beaucoup sur YouTube? Est-ce que tu es extrêmement consommateur de Twitter? Est-ce que tu. Quel type d'outils tu utilises? J'utilise beaucoup les réseaux sociaux parce que c'est effectivement avec ça que j'arrive à remplir les clubs et les salles de concert. C'est un outil de promo qui est. Une des évolutions par rapport à il y a 10 ans aussi. Voilà, ouais, ouais. Et ensuite, les tutoriels sur YouTube. Je trouve ça absolument magique de voir tout ce qu'on peut apprendre sur YouTube. Les gens qui font ça, en plus, je trouve ça super. Très bien. Et moi aussi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Je fais plein de travail différents dans différents secteurs. Donc, je pense que c'est justement intéressant de communiquer toute cette production. En général, c'est très parcellaire. Ce qu'on met là, c'est vraiment avec le blog, la possibilité de montrer tout ce que notre petite agence. On est une petite agence de 4 personnes, mais nonobstant, on a une grande flexibilité, fluidité de travail qui fait qu'on intervient dans des domaines très particuliers. Et c'est intéressant justement de montrer cette diversité et de pouvoir au quotidien, avec le blog, sans arrêt montrer montrer un bout d'architecture, le lendemain montrer justement un nouveau projet qu'on est en train de faire avec une start-up. Voilà, donc c'est aussi partagé. Je te coupe. On parle de projet start-up, c'est-à-dire que vous avez prévu de travailler ou de collaborer avec des start-up françaises? C'est un truc qui vous tente? Je collabore avec les personnes qui toquent à ma porte et puis qui me racontent leur histoire. Et dernièrement, donc Arnaud, que je crois que tu connais également, est venu me trouver. Il lance une entreprise qui s'appelle Atelier Tercy. Il se trouve que sa famille est ancrée dans la fabrication de chaussures. Oui. Son grand-père avait une usine. L'usine a un peu périclité avec l'arrivée de la vulcanisation, mais il a gardé ce rapport assez proche avec ce métier. Et il lance justement, ces jours-ci, un projet qui s'appelle Atelier Tercy, qui a pour concept en fait, de faire travailler des créateurs sur une gamme assez réduite de chaussures de femmes. D'accord. Et donc on est plutôt dans du moyen de gamme et bien sûr d'utiliser Internet pour arriver à commercialiser, à diffuser. Voilà, donc donc son histoire est assez belle et en même temps c'est quelqu'un de très pragmatique qui sait s'entourer et donc j'ai décidé de l'aider et d'être la première créatrice en fait, la première gamme de cette entreprise qui naît. C'est assez beau de participer justement à la naissance de ces entreprises puisqu'en fait il y a cette volonté justement de quelque part dans le premier jour, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, il y a un peu des maladresses mais en même temps il y a vraiment toute l'énergie, toute l'impulsion du départ, toutes les espérances. Et puis, c'est aussi dans le comment on va interpréter tout ça et comment on va digérer et interpréter cette première expérience que l'entreprise va pouvoir croître dans de bonnes conditions. Complètement. Quelle est votre plus grande fierté? Je commence par toi, Étienne. Quelle est ta plus grande fierté professionnelle à date? Il y en aura sûrement d'autres, mais à date. Ma plus grande fierté professionnelle Je sais pas. Prends 2 secondes pour réfléchir. Non, c'est dur à dire. Eh bien, un truc qui t'a marqué, que ce soit une sortie d'album, une récompense, un événement, une consécration. C'est dur à dire. C'est un peu le. Si, l'Olympia, j'étais content d'avoir fait l'Olympia. Voilà, c'est ma fierté. Super. Ça reste très classique comme. C'est assez classique. Ouais. C'est vrai que c'est une réponse que beaucoup d'artistes qui passent à l'Olympia. C'est assez classique, mais c'était hyper c'était inattendu. C'était pour papa et maman ou mais c'était non hein aussi. C'était pour papa et maman. Ils étaient aussi. Ouais. Non, après, je sais pas. C'est de continuer à faire ça en fait. Je suis assez fier parce qu'on n'est pas. C'est-à-dire, on a commencé il y a un moment et puis on est quelques-uns à continuer. Et donc voilà, ça aussi, je suis assez fier. Super.
Moi, je suis assez fière en fait, d'avoir été choisie sur des projets qui sont justement un peu complètement atypiques, qui vont être par exemple de faire des maisons pour aller habiter la forêt, retrouver un contact avec la forêt, avec le projet par exemple des vents des forêts dans la Meuse, qui peut être aussi de proposer un autre regard par rapport à la culture tunisienne et notamment cette maison qui s'appelle la Dari que j'ai fait dans le sud de la Tunisie. Voilà, donc c'est pour moi une grande fierté, mais que je partage avec les porteurs du projet. Je suis pas toute seule à la voir, de pouvoir travailler sur des projets qui sont comme ça très assez novateurs dans leur façon d'interagir avec le contexte et de proposer quelque chose de complètement contemporain justement dans un petit village. Et là, en l'occurrence, dans la Meuse, c'est 6 petits villages qui se regroupent pour faire partager leur forêt, et en même temps en invitant des artistes, en faisant les pièces, les œuvres avec eux, et simplement en fait en invitant, voilà. Donc c'est toujours assez intéressant parce que c'est des projets assez complexes, c'est à la fois artistique, c'est écologique, c'est participatif, c'est également un projet, on va dire, un petit projet économique, puisque c'est un développement local, et en tout cas une autre façon de découvrir les lieux, une autre façon d'avoir des expériences. Donc c'est des projets qui m'apportent beaucoup et dont je suis fière. Ouais. Top, merci beaucoup. On vient de clôturer, c'est la fin du chronomètre. La journée a été un petit peu longue, je pense, pour vous aussi, donc ça va être la fin. Merci beaucoup, Étienne, d'être venu aujourd'hui. Merci à tous. Merci beaucoup, Nathalie. Au revoir. Je vous laisse pour la conclusion. À tout de suite.